Bonjour et bienvenue chez Rita BM Cuisine. Les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle recette. Il s'agit de spaghetti au rognon. Très rapidement, je vais vous présenter quelques ingrédients que je vais utiliser pour la préparation de ma recette d'aujourd'hui. Mais avant de continuer les amis, si vous êtes de passage sur la chaîne, abonnez-vous, likez et commentez surtout cette vidéo. Et on va maintenant passer à la présentation de mes ingrédients pour la préparation. Et voilà, ici j'ai des rognons, des spaghettis, ça c'est l'oignon découpé, de la tomate fraîche, de la ciboulette, du sel, de la moutarde, du poivre noir, de la tomate concentrée, du citron, de l'ail et mon huile de cuisson. Donc je vais commencer par couper et nettoyer mes rognons. Je les place ici. Je vais commencer à couper et nettoyer à l'intérieur. Voilà, là j'ai fini de découper mes rognons et enlever les graisses là. Parce que la graisse là, ça colle souvent quand vous mangez les rognons. Je vais maintenant nettoyer ça. Là, je vais maintenant mettre du citron. Je vais presser mes citrons. J'ai mis deux citrons parce que ce sont des petits citrons. Si vous avez un gros citron, vous pouvez mettre juste un. Moi, j'en ai mis deux parce que ce sont des petits citrons. Je vais enlever un peu les graines. Je vais mélanger. Le citron, c'est pour enlever un peu les odeurs du rognon. Donc je mélange bien et je laisse ça au moins pendant 2 à 3 minutes. Donc après avoir mis le citron, j'ai rincé. Je mets maintenant au feu. Je vais saler avec du sel, juste un tout petit peu. Du poivre noir. Je mets de la moutarde. Je vais rajouter de l'eau. Je rajoute de l'eau jusqu'à ce que ça va tarir. De l'autre côté ici, j'ai mis l'eau. Pour les spaghettis, je mets un peu de sel. Je mets un filet d'huile pour ne pas que ça colle. Et je rajoute les spaghettis. Je vais laisser quelques minutes. Voilà, de l'autre côté ici, mon eau a tari. C'est ce que je voulais exactement. Donc, je vais maintenant passer à l'étape suivante.
De l'autre côté ici, j'ai mis ma poêle au feu. Je rajoute l'huile. Je rajoute la tomate concentrée. Je mets l'ail. Je mélange bien à nouveau. Je rajoute maintenant les poivrons découpés. Je vais maintenant épicer avec du poivre noir. De la moutarde. Et je rajoute de la thym. Je vais remuer au moins pendant 2 à 3 minutes. Ce n'est pas que ça se bouille en bas. Là, mes spaghettis sont prêts. Je vais faire du son pour aller à la sauce. Je rajoute un demi-verre d'eau. Voilà. Pour bien griller mes légumes, donc je rajoute un demi-verre d'eau. Je mélange et je laisse cuire à feu doux au moins pendant 5 minutes. Donc je rince là pour me débarrasser de l'amidon, l'amidon des spaghettis. C'est ça qui est souvent collant. Vous allez remarquer que mes spaghettis ne sont pas vraiment trop mous. Voilà. Ça, je me suis débarrassée de l'amidon. Et je vais aller égoutter. Voilà, à ce stade, si vous avez votre tête cube, vous pouvez ajouter. Mais moi, je n'ai pas ajouté le cube. Vous pouvez ajouter le cube pour relever le goût. Moi, je n'ai pas de cube aujourd'hui. Ça dépend aussi de vous. Hein. Si vous ne voulez pas mettre le cube, vous laissez comme ça. Donc là, je vais maintenant rajouter mes rognons que j'avais réservés de côté. Voilà. Je rappelle que dans ma sauce, j'avais pas mis le sel aussi. Parce que dans mes rognons, il y avait le sel également dans mes spaghettis. Je vais faire une sauce très salée. Bien, je vais maintenant rajouter mes spaghettis que j'ai laissé de côté. Mes spaghettis sont là, je les ai égouttés. Il n'y a plus d'eau, je mets maintenant mes spaghettis. Je vais mettre petit à petit. C'est bon. Maintenant, je vais aller dresser dans l'assiette. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Voici la recette d'aujourd'hui. Ce sont les rognons aux spaghettis. Vous pouvez reproduire la même chose chez vous. Je vous assure, c'est vraiment très bon.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, les amis, mettez un pouce en l'air, un commentaire et abonnez-vous surtout à la chaîne. Quant à moi, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.